Ce matin-là, avec Mumu, nous sommes partis à 6h du matin de Montréal en autocar pour rejoindre Trois-Rivières. Au bout de la route, l'accomplissement d'un an de recherche. Nous allons acheter la plus grosse Mercedes sur le marché, ou presque, un autobus scolaire de 2005 qui partait en retraite. L'objectif, le transformer en cinébus, bureau mobile et habitation motorisée. Gros programme, avec quelques ennuis au passage. Alors là, on vient d'arriver à Trois-Rivières parce qu'on s'est entendu avec le vendeur pour qu'il vienne nous chercher avec l'autobus à la gare d'autocar ici. Et ensuite, on va à la SAQ pour aller signer les papiers et lui donner l'argent et ensuite repartir avec. Et là, on est un petit peu pas bien parce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire. On prend conscience de ça et... On est stressé, quoi. Voilà, parce qu'après, il faut le ramener à Montréal. Et il faut le stationner à Montréal. Voilà, parce qu'on n'a pas encore de stationnement pendant une semaine. Il va falloir qu'on le garde où on peut. C'est un peu gros. Donc, voilà. Ça va le faire, ça va le faire. Il est beau, quand même. Ça va. Ça va mieux ? Ouais. Tu peux être dedans ? Ben, c'est moins gros que l'autocar avec lequel on est venu. Ouais. Aussi. C'est moins impressionnant comme ça. C'est un moment un peu spécial parce que ça y est, il est à nous. On va le plaquer. C'est un petit peu un brin d'émotion. Et en plus de ça, on kiffe le numéro qui est super facile à retenir. Donc, après ce coup de tournevis inaugural qui annonce des gros travaux, je vais tout de suite retourner le panneau écolier qui est là pour spécial parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de signalétique qui évoque l'idée qu'il y ait des écoliers à l'intérieur. Donc ça va nous éviter des problèmes avec la police tout simplement. C'est tout simple pour changer le panneau. Hop. J'ai une barre à l'avant. On déclipe. On retourne. Et on remet. Et on clipe. Maintenant qu'on a pris possession du bus, on va vous faire faire un petit tour avant et on vous en fera faire un après. C'est parti. Le bus a actuellement 24 sièges, on va en enlever probablement 20 cette semaine, si c'est pas plus, qu'on va donner ou mettre dans un éco-centre si on trouve personne. Et puis ça va être une belle job, on va probablement enlever tout ce qui est vinyle et on va voir comment c'est en dessous, il y a de la chance que ce soit un peu abîmé. On a un très beau plafond équipé de... de superbes enceintes. Donc on a quand même pas mal de place. On va compter ensemble combien de pas on fait dans un bus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais la ronde de sécurité de l'autobus. C'est obligatoire avant chaque départ tant qu'on n'est pas en VR. D'ailleurs, Clem, je vais démarrer mes clignotants. Et je vais aller vérifier. Oui, tu vas me faire signe. On commence par devant, puis après on va aller en arrière, puis tu me feras signe dans les rétros. Ok. Sérieusement, en regardant ce bus, j'ai juste envie de vous dire un truc. Réalisez vos rêves d'enfant. Bon, après toutes les vérifications d'usage faites, on décolle pour Montréal. Mais on va faire un petit arrêt pour manger et puis on en profite pour faire les premières manœuvres. C'est aussi l'occasion de faire le premier plein. Ouch, la note finale, 219$. Mais bon, on a un régulateur de vitesse. Allez, c'est parti pour le stationnement. En créneau, s'il vous plaît. Stationnement, ok. Bon, j'ai piqué les super lunettes de pilote de Mumu pour faire mon premier trou dans le bus. Donc on va poser un master lock, c'est-à-dire un système pour verrouiller la porte. Donc on a marqué les trous juste d'un côté pour être sûr que ça marche.
Ensuite, donc, on va trouver le premier qu'on a marqué en noir maintenant. Je suis un peu fébrile parce que c'est impressionnant quand même de faire des trous dans son bus. Et c'est assez drôle de dire cette phrase. Allez. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que ça ne se passerait absolument pas comme prévu. D'abord, je commençais à percer là où il fallait pas, dans le rebord de la porte, donc ça rentrait pas. Après une petite enquête, on s'est dit ok, on va faire un deuxième trou ailleurs. On décale. Et là, ça perce mal. Mais bon, on finit par y arriver avec beaucoup de travail. Deuxième trou fait. Ça n'a pas été facile parce que ça n'a plus de batterie, bref. Et Mu est parti là travailler, donc il faut finir ça toute seule. Ça va être un petit peu plus compliqué, mais bon, je vais faire mon mieux pour essayer de fixer ça. Je vais peut-être commencer à faire, pour finir d'installer ce côté-là, puis faire la porte arrière, parce que vu le temps que ça m'a mis de faire deux trous, je pense que j'y suis encore pour assez tard. On va continuer ça juste vous et moi. Après quelques efforts, je me suis aperçue qu'en fait le problème venait du forêt qui en fait n'était pas spécialement fait pour le métal, parce que j'en ai testé un autre que je savais fait pour le métal et lui s'est rentré comme dans du beurre sauf qu'il est trop petit, donc je vais aller en chercher un dans le magasin qui est pas très loin. Si jamais il n'y en a pas là, j'irai un petit peu plus loin, je suis sûre qu'ils en ont. J'ai fermé sommairement le bus avec les moyens du bord, puis je vais aller tout de suite au magasin, puis on va regarder comment on va régler le problème. Parce que nous n'étant pas là, ça complique les choses. Parce que sinon, il y en a une de nous deux qui aurait pu y aller, on perd un petit peu de temps. Mais elle n'avait pas le choix, ce soir il fallait qu'elle travaille. J'ai la grande responsabilité de faire en sorte que le bus ne disparaisse pas. Voilà. C'est une grande responsabilité. Surtout que je ne suis pas capable de le conduire, moi. J'ai trouvé ce forêt. Normalement il perce le métal aussi, donc il est en titanium, donc j'espère que ça va marcher. Parce que je suis allée voir un premier magasin, c'était en rupture de stock et là c'était le dernier, donc j'espère que ça va être bon. Et celui qui était vraiment ultra dur pour le métal, il n'y en a plus. Donc on va tester ça, j'espère que ça va aller. J'ai enfin réussi à passer mes trois vis là-dedans, je vais pouvoir fixer le tout. C'est une bonne nouvelle parce que je commençais un petit peu à désespérer parce que finalement le forêt qu'il me faudrait c'est un cobalt et il n'y en avait plus. Bon, il perce un peu mieux que le précédent, c'est pas hyper puissant, puis en fait c'est une barre de renfort dans la porte qui complique vraiment la chose parce que ça fait une troisième épaisseur et qui est vraiment beaucoup plus épaisse comparé à ce morceau là. Et il y a le même problème de ce côté-là et j'ai un peu de mal à le percer, mais avec un peu de persévérance, on va y arriver. Il est 17h30, j'ai encore un peu de temps, puis le magasin de bricolage devrait fermer à 21h. Donc si jamais j'ai un problème, je pourrais retourner. Voilà, on y retourne. On va visser pour le plaisir. C'est fixé. Au moins la partie... Après le perçage, ça va mieux. Victoire, je viens de finir de percer ça. Ça n'a pas été facile, mais je suis parvenue à mes fins. Et ça, c'est le plus important. Donc, on va tester maintenant si ça marche. C'est le moment de vérité. Je vais m'attaquer à la porte arrière maintenant parce que le système devant est quand même acceptable pour la nuit, on verra demain je pense. Je vais m'attaquer donc à la porte arrière, puis on va voir comment ça se passe pour sécuriser ce petit bus dans lequel il fait vraiment chaud quand tout est fermé. On discutait d'éventuellement avoir la clim, je pense qu'on n'aura pas le choix en fait le jour... Parce que là on est au Canada, donc si on descend dans le sud, on va mourir. Bon, évidemment, on va l'isoler, hein, mais... Il fait chaud. Je supporte mal la chaleur.
Ok, allez, c'est parti, on arrête de niaiser et on y va. Donc on a un problème sur la porte arrière, parce que sinon c'est pas drôle. Donc comme on n'avait pas les détails exacts de la porte avant d'acheter le locker, parce qu'on voulait le fermer ce soir parce qu'il dort dans la rue, on savait pas qu'il y aurait plusieurs problèmes qui se révéleraient, qui se manifesteraient. Le premier problème, c'est qu'ici j'ai des boulons et donc je peux pas mettre à plat ma première plaque. Et le deuxième problème, c'est que j'ai une porte avec un système d'ouverture et fermeture ici. Donc c'est problématique parce qu'il faut que je trouve l'endroit exact où je vais mettre les boulons. Et j'avoue que ce soir, je suis plus capable de penser. J'ai des idées, mais j'ai peur de pas les mettre correctement en œuvre. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est barrer la porte avec un système D pour ce soir. De toute façon, il n'y a rien dans le bus, donc a priori, c'est pas une zone qui est hyper fréquentée de toute façon, donc je pense pas que ça pose problème. Puis j'ai faim, j'ai vraiment faim. Et quand on a faim, on ne pense pas correctement. Donc je vais laisser là pour aujourd'hui. Je vais me reposer et je vais en discuter plus tard avec lui. Parce que là, ça va pas le faire, sinon j'en ai encore pour 3 heures et je suis pas sûre de le faire correctement. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Je sais pas si on va poursuivre la vidéo. Si c'est pas le cas, je vous invite à suivre l'aventure sur YouTube, Facebook, Instagram. On va vous raconter un petit peu comment se passe la transformation. Puis quand on a les bonnes techniques, on va vous montrer comment on fait. Mais ça sera plus réfléchi parce qu'on aura les plans, on aura les dimensions, on aura tous les détails nécessaires. Donc on aura des problèmes de toute façon, parce que quand on est en construction, il y a toujours des problèmes. Mais ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux. Enfin, j'espère. Vraiment. voilà. Et puis si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Là, ça veut dire qu'actuellement, en ce moment, on est enfermé dehors.